Clac. Voilà. Je vais vous expliquer. Ça, c'est mon recordeur. Voilà, durant toutes ces vidéos, je vais peut-être le tenir devant moi. Peut-être que je vais me poser, on ne sait jamais. Alors, ça remonte à peut-être un an ou deux où je faisais des rêves vraiment très très sombres. C'est-à-dire qu'avant de m'endormir, je fermais les yeux. Et vraiment, ce n'est pas du tout exagéré ou quoi. Mais j'avais l'impression en fait de voir des visages décomposés. C'est extrêmement glauque, flippant et inquiétant dit comme ça. Mais en fait, la première fois, ça m'a juste empêché de pouvoir dormir. Et au fur et à mesure, donc j'ai rêvé que je me réveillais. C'était pas cette chambre-là, mais je me réveillais. Et j'entends des rires. J'entends des rires dehors, dans les rues. C'est même pas des rues que je connais, ça fait un peu genre rue américaine ou je sais pas quoi. C'est extrêmement cliché dit comme ça, mais c'est horrible. Et donc je décide de sortir pour voir pourquoi ils rigolent. Et en fait, je vois tout le monde en train d'éclater de rire. Mais en fait, leur rire à tous mélanger, c'était vraiment horrible. Ça faisait genre un rire de Satan, je sais pas si je réussirai à trouver. Voilà, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Les gens. Comment il fait mon frère pour faire quelque chose de captivant? Ou pas du coup? Non, mais parce que là je suis dans une mauvaise vibes en fait. Ouais. C'est complètement de la merde. Ouais. C'est... Et généralement en fait ces traumatismes là, enfin. Ces rêves-là sont issus à certains traumatismes. Et j'en ai un en particulier qui revient très souvent. Un rêve que je peux pas expliquer parce que en fait c'est issu de faits réels. Et ça me peine. Ça me fait chier en fait d'en parler. Parce que d'une manière ou d'une autre. C'est pas vraiment possible de changer ça étant donné que ça fait partie de la vie réelle et ça fait partie intégrante de mon moral à moi ou du moral de n'importe qui. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'essaye de faire pareil que mon frère, mais... Je vais lui rendre le PC du coup. Que vous avez vu hier, c'était fou. Le portable s'est arrêté au pire moment. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Ma mère, elle m'en a parlé pendant longtemps dans son hôpital psychiatrique. Je la croyais pas. Je croyais personne en fait. J'aurais pu l'aider. L'histoire d'une proche. Qui a disparu sans laisser de traces. Presque. En bref, elle m'a dit, surveille-moi. Surveille-moi.
J'ai rien fait. Pourtant, je l'ai vu, putain. Je l'ai vu. Bon, nous voilà 2 jours après. Y a plus rien, putain. Y a plus rien. Ça là-bas. Y avait même pas. Ce bordel. Je vais prendre ça. Et puis je vais me casser parce que là. Je le sens pas ça. Putain. Je le sens pas du tout là. Et je me casse. Bon, là je suis en stage, pas encore osé regarder ce que c'était. J'ai pas ouvert mon coffre depuis hier. Je pense qu'après j'irai voir. Ma caméra m'a lâché, du coup je vais utiliser la caméra de mon frère. J'ai réfléchi longuement. À chaque fois que j'ouvrais mon coffre, j'étais passé à côté. Et là, je vais y aller. J'ai conduit avec un scooter aujourd'hui. C'est là. La vidéo à mon frère, je lui ai demandé ce que c'était, il m'a tout simplement dit que c'était des protège-genoux. Alors est-ce que c'est juste une couille et qu'en fait je fais fausse piste, ou est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? On va voir ça. Absolument que c'est dalle. C'est quoi ce bordel? Genre y'a rien. Attends. Putain de
voyez sûrement la poterie. C'est quoi ce bordel? Je vais vous lire ce qui est écrit, vous devez peut-être pas bien le lire. Ceci est un élément de sa tenue lors du kidnapping. Attends. Ah, c'est pas possible là. Putain! Non, non, c'est une couille, c'est une couille. C'est une couille, c'est pas possible là. Mais c'est quoi ce bordel? En pleine panique là, c'est quoi ce bordel? Un élément de tenue. Pourquoi il y aurait des protège-genoux? J'ai eu une théorie sur comment j'ai trouvé ce protège-genou. Il y a beaucoup d'endroits autour où, avec celle avec qui je vous parlais, qu'on allait, et les usines désaffectées, c'est un endroit où on allait beaucoup, surtout pour prendre des belles photos ou des choses comme ça. Et comment dire, je pense qu'il a laissé un indice ou un élément de tenue ou peu importe à chaque endroit où j'allais avec elle. C'est pour ça que là, je fais extrêmement attention à tout ce que je vois. Ma caméra, enfin, la caméra de mon frère bug de plus en plus. À croire que plus j'avance dans l'enquête et plus tout devient horrible. Je vois rien pour l'instant. En fait, j'ai hyper peur. La caméra s'est encore coupée. J'étais encore en train de parler comme un con là-bas. Quelque chose à l'intérieur. Il y a une putain de cigarette, c'est quoi ce bordel? Non, 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 non. C'est pas possible. Putain, je commence à stresser de plus en plus. Bon. Qu'il y a quelque chose. Putain. C'est quoi ce bordel? Ouais. Je sais pas, regarde. J'ai trouvé ça. Je sais pas c'est à qui. Non, je sais pas c'est à qui. J'ai trouvé ça. Putain, il s'écrit sur un film pour nous ou quoi là, un... Putain, mais rigole pas avec ça, gros. Désolé. Bon. Je me dirige vers un autre endroit. On allait beaucoup quand on... quand elle était encore là.
J'ai peur de ce que je vais trouver en fait. J'ai filmé petit à petit, mais. Elle a encore bugué, mais. Cet endroit, vous l'avez sûrement beaucoup vu avec mon frère, Alpha. Je vais peut-être pouvoir vous expliquer un tout petit peu en détail son histoire. Allez. Son nom, je ne vais pas le dire par pure raison de politesse et de respect. J'ai été ami avec elle depuis tout petit, simplement. Vers mes 14 ans, j'ai emménagé dans la même ville où elle était. Et c'est là où il y a eu une putain d'amitié. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit au niveau amour entre nous. Mais c'était de l'amitié pure et simple. Et elle a disparu. Elle le savait qu'elle allait disparaître en fait. En fait, elle me disait qu'elle savait que quelqu'un la suivait. Excusez-moi. Et du coup, c'est pour ça que j'enquête. C'était la personne avec qui j'étais. Tout simplement quelqu'un de très proche avec elle. On était limite frère et sœur, quoi. Et le fait qu'elle ait disparu sans laisser de traces, et je vous ai dit ou presque, parce que on a retrouvé quelque chose. On a trouvé un de ses vêtements. Je ne sais pas c'est quel bout de vêtements qu'ils ont retrouvé, ni comment elle était habillée avant qu'elle disparaisse. Mais elle l'avait prévu. Elle le savait. Putain. Elle savait qu'elle allait disparaître. Et elle m'a prévenu, putain. Moi, je la croyais pas, je disais. Non, t'es parano, tout va bien se passer, je suis là, et j'étais pas là, j'étais pas avec elle quand elle a disparu, et ça c'est une promesse que je lui avais faite qui est tombée à l'eau. Alors du coup forcément, et du jour au lendemain ne plus la voir. Mais là, il faut à tout prix que je filme. Je sens qu'on est tout près du but. Mais je sais qu'il manque quelque chose. Quand vous avez rien vu avec ma caméra coupée, c'était justement une personne. Qui était en train de chercher. De chercher quoi, je sais pas. Mais j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Comme si c'était lui qu'elle m'avait décrit. Et mon portable a bugué. J'avais coupé ma vidéo pour essayer d'appeler la police le plus vite possible. Et putain de merde. Bon, nous y voilà. Y'a quelqu'un? Personne? Ici, des fois, il y a des sans-abri qui... C'était pas ça. Vous voyez, des sans-abri qui y vont. Putain! C'est quoi ça?
quoi qu'il y a dedans? Bon. Attendez, attendez. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vais poser la caméra. Dedans, ça pue la mort. Il y a ça. C'est quoi? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Non, non, non. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Le premier vrai. Vous voyez pas ce que c'est, mais j'ai retiré tout le scotch. En fait, j'ai trouvé ça. C'est une putain de carte SD. Je la mets dans ma poche. C'est une blague? Vous jouez avec moi comme ça? Vous vous foutez de ma gueule en fait? C'est tombé du toit. Putain, je vais y aller. Y'a rien? Y'a rien? Ce bordel, y a personne. Ça va pas du tout là. C'est une mauvaise blague, c'est pas possible. Putain, je me casse. Je me casse, je me casse. Salut Marie. Ça fait plusieurs fois que j'entends ton téléphone sonner. Ça fait déjà un mois que t'es parti. J'appelle juste pour essayer d'entendre ta voix. Et sûrement me sentir mieux. Putain. J'essaie juste de me rassurer, putain. J'entends ton téléphone sonner alors que ça fait un mois que t'es parti. Pourquoi? Quand l'ambiance dans la ville, autour de moi, c'est devenu vide, putain. Je sais que tu connais pas trop mon frère, Alpha. Même lui a trouvé que notre ambiance a changé.
que le moral a changé. J'attends plus rien de cet appel. Plus rien. J'aimerais juste, au moins un message, où tu me marques que tout va bien. Où tu me marques que t'es juste perdu. C'est ce genre de truc. J'ai pas tenu ma promesse. Pour ça, j'en suis désolé. Bon, je pense qu'il est temps de faire un petit récapitulatif. Je prépare tout et on va commencer. Bon, j'ai tout. En premier temps, j'ai trouvé ces protège-genoux. Voilà. Au début, j'étais extrêmement persuadé qu'il y avait quelque chose, que c'était un signe, et je n'arrivais absolument pas à trouver la faille. Et en fin de compte, je l'ai trouvé. C'est extrêmement bien planqué, voilà. Il semblerait qu'elle ait été très chiffonnée et mouillée à quelques endroits, ce qui veut dire peut-être que c'est resté là pendant très longtemps. Donc, il était écrit. Ceci est un élément de sa tenue lors du kidnapping. Attends, non, non, non. Je vais laisser ça pour l'instant. Vous expliquerai après. Donc voilà, ça. Ensuite, d'après ma théorie qui est n'importe quel endroit où j'allais avec celle qui a été kidnappée, il y aurait un élément. J'ai trouvé ça. Où à l'intérieur il y avait ça, voilà, un X cramé, chiffonné, un petit peu trempé aussi quand je l'ai. Et ensuite, dans la même démarche, j'ai été au fameux coin que vous avez déjà vu plusieurs fois, le Bas Marico, dans lequel il s'est passé des choses très bizarres. Quelqu'un a posé cette putain de bouteille et j'ai pas réussi à le voir, à savoir qui c'est. Et j'espère que vous avez même entendu le bruit de la bouteille qui se pose, putain. Et donc, dans cette bouteille, il y avait quelque chose qui puait extrêmement. J'ai failli vomir. Et surtout, ça, voilà. Une carte SD dans laquelle il y a des choses très, mais alors très dérangeantes. Je l'ai regardé et c'est un malade. C'est un putain de malade. Je voudrais tellement le retrouver. Tellement savoir c'est qui. Et surtout la retrouver, putain. On est au soir. Ça doit faire 3 semaines que je suis sur cette putain d'enquête. Et ma fenêtre est ouverte et j'ai entendu un putain de bruit. Ça vient de. C'est
fait un bruit de boîte aux lettres. Mais... il n'y a pas de facteur à cette heure-là, en fait. J'y vais même pas. C'est pas possible que j'y aille. Qu'est-ce que je fais? Bon. Je risque rien, je suis dans ma baraque, putain. Bon. Je vais y aller. Putain, que je me sens parano. Ma double tour, c'est pas possible. Il connaît mon adresse, putain! Avec moi, allez, calme-toi. Bon. Voilà ce qu'il y a derrière. Je vais pas vous le cacher, je l'ai vu. À 22h. La rue, il est en train de parler d'une rue où j'allais très souvent le soir. Mais pas avec celle qui a disparu. En fait, à cette époque... bon, voilà. Je fumais... de la beuh, quoi. Et j'allais dans cette rue acheter justement cette beuh et j'y allais toujours à 22h. Et là c'est pas qu'un simple tour de passe-passe, c'est de l'espionnage, c'est de la manipulation mentale, c'est tout, quoi. Voilà pourquoi j'ai craqué. Parce qu'il n'a pas fait que observer moi et elle. Il a surtout observé les sujets qui lui étaient intéressants. Et quand je dis sujet, on est des putains de sujets. Voilà ce qu'on est. Il a même été regarder la chaîne de mon frère, quoi. Parce que les croix et ce sourire, ça fait partie d'un putain de speed art de mon frère. Il a dû croire que c'était moi, ou peut-être qu'il est en jeu mon frère. Mais ça, c'est ce qu'il appelle un deadly smile. Et je pense que
une fois le dessin terminé, ce sera la fin du jeu, quoi. C'est sa manière à lui de dire, de décider quand c'est terminé. Pour l'instant, il est encore tôt. Faut que j'y aille, putain. Faut que j'y aille. J'ai trop peur. Dirait un putain de bordel, quoi. On a ça. Putain de bandana, des protège-genoux. Un petit mot. Et même ça, putain. Ce que je vous ai pas dit que j'ai vu aussi. C'est que derrière ça, putain, il y avait encore un truc d'écrit. Vous voyez très peu. Et même moi, je l'ai pas beaucoup vu. Retourne aux usines, putain. C'est Dieu. Là, il me donne beaucoup trop de propositions et beaucoup trop de risques aussi, putain. Tout ça là, c'est un putain de jeu, quoi. Allez, calme-toi. Calme-toi. Je vais y aller. Et putain que je vais utiliser ma caméra ce soir. Je suis sur un logiciel de recherche, voilà. Je vais chercher certaines informations sur sa disparition. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de sites qui en parlent. Il y a même des blogs, des trucs comme ça. Donc je vais aller dans les registres de sa disparition. Registre de Sunset City, c'est la ville où on habite. Registre des disparus. Marie Petit, disparue le 8/03/2018 à Sunset City Centre. Aucun élément retrouvé sauf vêtements. On n'a aucune précision de quel vêtement. Localisation approximative de la disparition. Et donc là, c'est une carte. Filtré sur World Wide Web avec une croix qui définit toute la zone. Vous ne reconnaîtriez absolument pas ce que c'est, mais en fait c'est un carrefour où on allait très rarement. Donc là il y a un rond-point, tous les appartements, mais voilà. Et ici, on n'a aucune autre information n'ont été retrouvées. La personne est soupçonnée décédée, à retrouver morte ou vive. Elle est soupçonnée décédée. Elle est même pas définie morte, étant donné qu'ils n'ont pas retrouvé de corps. Donc, c'est elle. Vous avez un petit peu plus d'explications. Je vais faire un petit voilà. On va lire quelques petits trucs. L'affaire Marie Petit, la disparition la plus folle. Marie Petit ou la disparition folle de Sunset City. Non, non. Registre de la mairie Sunset City Centre, registre des disparitions. Marie Petit, le blog hommage à cette magnifique personne.
L'enlèvement de Marie Petit. Le cas de disparition le plus important de Sunset City. Voilà. Bon. Il est 22h. Ouah, que dalle. Et... putain de merde. C'est quoi ça? Bordel. C'est quoi ce bordel? Oh putain! C'est parti de la vidéo. Elle était là, putain. Il reste plus qu'un endroit, allez. Je vais aller à l'usine. Juste. En même temps d'aller à l'usine, je vais mettre la carte SD dans la caméra. Regardez ce qu'il y a. Oui. J'espère que vous l'avez vu, putain. Sur la route pour aller aux usines, ça va peut-être mettre, là je suis à pied, ça va mettre environ quelques heures. C'est vaste, putain, c'était elle, putain, c'était elle. Et d'après ce que j'ai vu sur la carte SD, elle est morte. Je l'ai vue, je l'ai filmée. C'est un truc de ouf, putain. Je suis seul. Je suis dans le secteur des appartements et tout. Il y a juste quelques bagnoles de temps en temps. D'habitude, c'est pas comme ça. Je sais que j'y suis bientôt. Et j'y suis presque. Et tout ce que j'ai envie de faire, terminer cette enquête, retrouver ce putain de kidnappeur, l'arrêter.
simplement tuer. Et retrouver Marie. Je sais pas du tout ce que je vais trouver là-bas. J'en sais foutrement rien. Et maintenant, je m'apprête à tout. Marie. J'ai vu Marie. Mon frère va sûrement jamais me croire. J'étais en bad après avoir vu ça. Je l'ai même pas revu. Je suis repassé dans les rues par lesquelles elle est passée. Si vous voulez, elle est passée par une ruelle qui suit après sur une longue route de ce style. Et elle n'était pas là. Dis-toi, putain. Elle n'était pas là. Ce que je vais faire, c'est très probablement ce que je vais faire. Il y a un endroit où on allait 80% du temps où on squattait, c'était là-bas. Il y a un endroit, c'est là-bas. Je viens d'y passer et j'ai posé une caméra. Une caméra comme celle-ci que j'ai reliée en wifi. Ça veut dire qu'en fait, s'il m'arrive quelque chose, qu'on doit passer par là, simplement, j'aurai la preuve. J'ai encore rien déplacé sur ce putain de PC. Toutes les vidéos que vous voyez, ça fait au moins 3 semaines, voire même plus, que je suis sur cette enquête. J'en ai marre, putain. J'en ai marre. Pourtant, je continue. C'est de la putain d'obstination. C'est de l'obstination, putain. Et pourtant, une putain de caméra, une GoPro de merde, en train d'aller sur au moins 3 ou 4 heures de route à pied, en neige lent, et avec dans mon sac toutes les preuves. Je sais pas s'il m'attend là-bas, mais comment il a fait son coup, putain. Je l'ai filmé et j'ai reconnu ses vêtements. Et je pense que vous avez pas entendu. Et sa voix, c'était pas la même. C'était pas la même voix. Mais c'était le même visage. La même façon de marcher. Je vais pas filmer pendant toutes ces heures de route. Parce que comme je vous ai dit, Sunset City, c'est immense. Et j'ai juste envie de faire un petit journal de bord. Il manque encore quelque chose. Il manque son visage. Il manque son visage et il manque cette putain de croix. La fin du jeu. Il manque tout ça. Il manque tout ça et moi je suis là comme un putain de con. Si je prends des vidéos depuis extrêmement longtemps,
depuis le tout début. C'est parce que mon frère m'a encouragé. Il m'a dit que avec des preuves vidéo, on peut prouver que tout ce qui s'est passé dans cette enquête était vrai. Les vidéos que vous voyez sont brutes, sans rien rajouter. Et c'est sûr à 90% que ces vidéos, après avoir terminé l'enquête, seront redonnées à la police pour pouvoir terminer l'enquête. Mais j'ai à la fois peur de qui est cette personne, mais j'ai aussi peur de ce qui peut m'arriver en fait. En fait, je suis en train de péter un câble. Et je suis en train de péter un câble. Mentalement, ça va pas, quoi. Normalement, oui. Il y a beaucoup de personnes dans Sunset City le soir. Le soir, c'est la face sombre de Sunset City. C'est comme dans toutes les villes Ouais, comme dans toutes les villes. La journée, c'est beau, c'est magnifique. Et la nuit, on voit des personnes en manque de drogue. Personnes droguées, alcoolisées, des fêtards, des gens qui se battent, des gens qui cherchent la mort. Et en fait, c'est pas ça qui me fait peur encore. J'ai bien trop l'habitude de me balader en Sunset City. Même parfois, j'ai même pu me perdre. Mais jusqu'à faire des heures de marche pour aller à un point et peut-être aller à un autre point. Marie a disparu. Et je pense qu'elle a subi les mêmes choses que moi. Elle a eu les mêmes réactions que moi. Le craquage. L'envie de savoir qui c'est. Et une fois que je vous ai montré sur le World Wide Web son avis de disparition, il y avait un autre avis de disparition en dessous. Si vous voulez, quand il y a un avis de disparition qui est en dessous sans que vous ayez cherché la personne, ça veut dire que c'est probablement les mêmes cas de disparition. Cette personne, je ne la connais pas. Et peut-être que Marie la connaissait. Elle a disparu dans la même zone, sans être précis. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'en fait, cette personne cherche ses victimes par rapport à leurs amis. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que à chaque fois que j'étais avec Marie, avant sa disparition, quelqu'un nous suivait. Quelqu'un nous suivait et nous observait. Il observait notre quotidien avec cette personne. Il observait notre caractère. Et surtout si on l'intéressait. Et ce que j'ai peur, c'est si je disparais. Est-ce que mon frère disparaîtrait aussi? Tout ce que je veux faire là en fait, c'est terminer cette enquête. Parce que je sais que la police, ça fait déjà un an. Et la police n'a jamais fait aucune recherche. C'est ça. Bon.
Juste après ça, je vais couper la caméra et on se retrouvera à l'usine, à la zone. Bon, j'ai un petit peu dormi avant de... J'ai dormi dans un squat quoi. Avant de venir et... Oui, voilà. Comme je vous disais, il y avait un bidon par là qui n'était pas avant. Non, 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 c'est pas possible. Il me dit d'aller à la colline. C'est là où j'ai été. Et j'ai pris absolument tout. Fou, putain. On y est, putain. Je crois que... Je vais me reposer. En fait, je crois que la colline, c'est un putain de rendez-vous. De voir que je trouve tout ça. Là, il n'y a personne. Honnêtement, je crois que... Les éléments de tenue lors du kidnapping, c'est ce qu'il donne à toutes ses victimes avant de les kidnapper. Donc là, du coup, je vous avoue que ça fait extrêmement flipper, commence à faire jour. Je vais partir encore à pied. Je suis un putain de con d'avoir pas pris mon scout. Et... Et mon frère, regarde ces vidéos. Sache que je suis vraiment désolé. J'ai pas été à la hauteur des attentes de notre famille. Et j'espère que tu vas kiffer tout ce que tu vas faire. Au début de cette enquête, je kiffais vraiment. Mais là, je rigole beaucoup moi. En fait, là ça joue sur mes putains de sentiments. Il commence à faire jour. Vous voyez? Je suis complètement dingue. Faut que j'aille à la colline en fait. En fait. C'est les petits matins quoi. Y'a plus que ça à faire. J'ai peur en fait. Je veux retrouver Marie. Je veux retrouver mon chez-moi. Et je veux que cette enflure soit enfermée.